Salut, ça date des années 80 à la base, mais ça c'est un remaster qui a été fait il y a, je sais plus, il y a genre 10 ans, c'était pour les 30 ans du jeu. Ah, à vrai dire, je suis pas sûr des dates, je vais vérifier. Non mais internet est trop lent, mais je sais pas, ça date des années 80, l'original, enfin la version que je connaissais était pas comme ça, elle était beaucoup moins de couleurs, je me demande même s'il y avait des couleurs, je crois qu'il y avait pas de couleurs. C'est pas mal, c'est un monde un peu ouvert où on va où on veut, on rencontre des gens, j'aime bien. J'aurais bien voulu avoir ce volatile là. Ça, je pense que c'est le bout de la map. Parce qu'il n'y a plus rien après. Enfin, c'est un des bouts de la map. Elle n'est pas si grande que ça. Et quand on arrive au bout du monde, on ne peut plus avancer. Le décor avance, mais c'est une illusion. Ben, c'est un remaster, ça te paraît rétro comme ça, mais en fait, tu peux regarder des images de Sapiens, l'original, mais peut-être maintenant on va trouver plus d'images de remaster, je sais pas. À vrai dire, il y a plusieurs versions qui existent et je ne sais pas quelle est la plus ancienne historiquement.
Ben, ça a été fait, non, enfin ça a été programmé dans les années 80, mais ça a juste été réactualisé. Ben, je me souviens que sur la page c'était marqué 30 ans après le 30 ans après le l'original, donc je sais pas, je vais regarder. Alors maintenant il y a carrément un jeu je suis mort. Je pense que je vais recommencer une partie parce que je joue très mal depuis tout à l'heure. Enfin, il m'arrive des trucs pas cool. Et j'ai pas fait attention à cet animal. Ben. Ouais, moi pareil, je me promène toujours, mais quand même, quand on commence, il y a les. Salut. Il y a les mecs du village qui disent rapporte des vivres. Et je crois que j'ai jamais essayé de leur rapporter des vivres, tout simplement. À chaque fois, je cherche des vivres pour moi pour me balader. Mais je m'en fiche qu'il n'y ait pas d'objectif. En fait, j'ai même tendance à penser que... Le fait que traditionnellement, dans un jeu, il y ait un objectif, un but du jeu et une fin du jeu, c'est une mauvaise... C'est une tare. J'aime pas... qu'on se sente obligé de mettre des buts, ça gâche tout souvent. S'il n'y avait pas de but, le joueur il se mettrait son but lui-même et ce serait plus rigolo. Enfin, ça, on développerait le jeu différemment. Qui a fait ce jeu? C'était marqué au début Olivier Guillon. 86. Alors là, je vois 86. Ouais, il y a carrément une version CGA avec les couleurs qui pètent et tout. Ouais, 86, 87. Donc le remaster, il a dû être fait il y a 3 ans. Enfin, c'est-à-dire la version à laquelle je suis en train de jouer. Ouais, non, mais quand j'ai été surpris par cette ours, j'ai cru que c'était un sanglier sur le coup. Et puis j'ai vu qu'il se tenait sur les pattes arrière et je me suis dit non, un sanglier ça ne se tient pas. Non, je veux refaire une nouvelle partie. Nouvelle aventure. Oui. Ah oui, on peut choisir son nom, ça, alors. Batman. Homme ou femme? Femme. Ah, on peut adapter les choses. Ah merde, ah, ça je me souvenais pas de ça, qu'on pouvait... agilité, force, charisme, vitalité, charisme... Ouais, charisme, il y aura les gens qui me suivront. Le reste, c'est quoi le reste? Ah oui, mais c'est très bien ça. Batman, c'est plutôt les cheveux noirs, je dirais Batman. Les cheveux noirs comme ça. S'il y avait même un costume noir, ça me plairait, mais... En fait, je crois que là, j'ai pas... Ouais. C'est peut-être pas très malin ce que j'ai fait d'avoir mis beaucoup de compétences dans le reste. Je crois que ça veut dire poubelle. Ouais, je crois que ça veut dire poubelle. Je vais recommencer encore une fois. Ou alors, non, je fais une partie difficile. Non, je vais recommencer. Je suis pas content. Je recommence pareil, mais... Parce qu'après, sinon, je vais le regretter. J'avais dit femme. Donc, il me reste un petit peu de ce que je veux. Non, vitalité, parce que... Mais je crois que c'est assez sympa comme jeu. On meurt pas tout de suite dès qu'on est... Dès qu'on manque de... Je sais pas trop quoi, d'eau ou de... Ils nous laissent nos chances, quoi. Alors... je suis Batman. À part ça, qui es-tu? Je me nomme Onyord, chef des pieds agiles. Alors, moi, comme j'imagine le truc, ça, c'est à la tribu. C'est pas, peut-être pas ma tribu. Mais si je leur apporte des vivres,
Ils vont m'accepter dans leur tribu. Que veux-tu ? Enfant, la tribu a faim, apporte des vivres. Que m'offres-tu ? De la viande pourrie. Où est ton chef ? Mais je dis où est ton chef, il m'attaque moi. Mais non, ça j'ai jamais compris. Non. Pourquoi ? Alors, bon, j'ai compris un truc dans ce jeu, c'est qu'il faut pas demander aux gens où sont leurs chefs, sinon ils t'attaquent. Enfin, des fois, mais... Batman, qui es-tu ? Honor, chef des pieds agiles. Que veux-tu ? Des fins, la tribu a faim, apporte des vivres, ok ? Que m'offres-tu ? De la viande pourrie, d'accord. Je vais dire bonne chasse, je vais aller chercher des vivres. Là, je vais sauvegarder. Voilà. Manipulation, voilà. Hop. Bonjour, je suis Batman. Bonjour Batman. Qui es-tu ? Je suis Ngior, des pieds agiles. Que veux-tu ? De longs gants ? Que m'offres-tu ? De la viande ? Bah j'ai qu'un seul onguent et j'ai déjà de la viande, donc non. Bonne chasse. Là, je vais les avoir. Non. Bon. Je prends tout. Là, je vais essayer d'aller chercher de l'eau, parce que je vois qu'il y a de l'eau à deux endroits, il y a de l'eau. Une odeur d'homme. Qui es-tu ? Ogrigeek des pieds agiles. Et toi, quel est ton nom ? Je suis Batman. Bonjour Batman. Que veux-tu ? De longs gants ? Que m'offres-tu ? Sagaie. Non, j'en ai déjà une et en plus j'aime pas la sagaie et ça tombe par terre. Je préfère les haches. Qui... Salut ! Quelle source de musique ? Oui, la musique du jeu, elle est bien. Salut Tony. Et il y a plusieurs musiques d'ailleurs dans le jeu. Je sais plus à quel moment ça change, mais des fois ça change. Accompagne-moi. Tiens donc. Je sais pas si ça veut dire oui ou non, ça veut dire non, je pense. Alors je peux dire des choses pour l'impressionner, comme même l'ours me fuit. Je mâche le silex. Ça c'est ma préférée. Les esprits me guident. Ça il va bien aimer. Non, pas du tout. Non, ok. Il s'enfuit. Lui, je lui dis direct, je mâche le silex. Paf, il s'enfuit. Je suis Batman. Ah, outre vite, ça peut m'intéresser. Je te donne de longs gants, même si c'est assez rare. Et maintenant, je te prends prendre. Bah non, mais dire donne-moi, que m'offres-tu ? Ah là, je comprends pas. Je comprends pas comment on récupère. Comment on... Donne-moi, n'approche pas. Donne-moi le truc que tu m'as promis, quoi. Je t'ai donné de longs gants. Là, ça me... Ça, je comprends pas. Mais accompagne-moi. Peut-être que c'était automatique. Je vais regarder. Est-ce que j'ai... qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? Une autre vide ? Bah, j'ai une autre vide, mais je crois que c'est la mienne.
Bon. Bonne chasse. Bonne chasse, Batman. Ça, c'est vraiment mes dialogues préférés. Que veux-tu? Je veux une outre pleine. Que m'offres-tu en échange? Une outre vide. Ben, j'ai envie de dire non. Enfin, je sais pas. Ça me paraît évident. Ça, là, je veux aller à la source. Non, je crois qu'il faut observer. Non, c'est pas ça. Ah oui, il y a un truc très perturbant aussi, c'est que la souris. Enfin, on contrôle le personnage avec le clavier, mais si la souris est dans la partie haute, on contrôle aussi le personnage avec la souris simultanément. Ce qui est vraiment très perturbant. Enfin, il y a vraiment des problèmes d'interface. Mais ça se voit, je pense. Et donc là, je voulais prendre de l'eau pour mon outre. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Je suis reposé en bonne santé et robuste. Cœur de lapin. Alors des fois je dis gloire à ta tribu et il m'attaque. Ça c'est un truc bizarre aussi. Face de porc sinon. Mais il y a beaucoup d'insultes. Ah oui c'est classé. Ça c'est les insultes qui concernent les animaux. Cœur de lapin, primate dégénéré ou face de porc. Après il y a les. Ah non il y a aussi même l'ours qui me fuit. Paix ami. Tiens donc, il comprend pas quand je lui dis paix ami. Hors de ma vue. Hors de ma vue, tiens donc. Non, bon bah bonne chasse. Bonne chasse, Batman. Je voudrais aller dans la forêt pour chasser. Je suis Batman. Ah, il y a de la fumée qui sort d'un truc. Ah, il y a des loups. Viens, viens, viens voir. Il y a des dents de loup. Ah, mais là, j'ai de la viande fraîche. Je vais aller la ramener au village, vers le sud. Que je suis en bon état. J'ai un peu faim. Je suis en bonne santé. Il faut. Je suis fatigué. Je vais absorber de la viande séchée.
des myrtilles. Non, j'ai plus faim, pas soif. Je vais dormir une journée. La foudre, je sais pas. Peut-être. Je vais trouver ça chargé. Alors je vais manger des choses. De la viande racine, non, je sais pas prendre de la viande racine. Ou alors je tente la viande racine, hop. Ah mais toute la viande que j'ai récupérée tout à l'heure, elle est déjà rassis. Ah oui, c'est pas terrible. Ben, ok. Prendre tout ça, viande fraîche. Je retourne au village. De loup. Terrible ce qui vient de se passer. Là, je veux bien de l'eau. Je suis blessé, alors peut-être que je peux me guérir. Je suis très fatigué. Ah ben, voilà, réponse à ta question, je suis touché par la foudre. Je suis mort. Ben voilà, la partie est finie. Je ferai peut-être une autre partie plus tard, mais ça suffit pour cette fois. C'était juste le temps de manger. Maintenant, je vais faire un autre truc. À bientôt !